Quand on est maintenant face à cette question pratique... Oui, vous êtes comique, vous êtes marrant, vous avez fait un outil, vous nous l'apportez, les idées sont dedans. Et moi, pratiquement, dans mon organisation de classe, je fais comment? Et puis, la loi me dit que je suis contrainte, tenue et obligée de prévoir l'équivalence d'une trentaine de périodes pour l'année scolaire. Et qu'il y a un inspecteur qui va se balader, qui va venir voir si effectivement je travaille ce truc-là parce que c'est tombé comme quelque chose d'important. Oui, mais non, mais vous rigolez, je fais comment, moi? Pratiquement, nous avons essayé, en élaborant le programme, de se poser toutes ces questions-là, parce que si nous n'avons plus les deux pieds sur le terrain aujourd'hui, on en vient, on sait ce que c'est, et on n'a pas oublié ce que sont les contraintes et les obligations de préparer le journal de classe d'une part, et puis les activités à déplier avec nos élèves, et quelles sont les traces que l'on va en garder. Ça fait partie de notre réflexion.